Ouais, ouais, YouTube, bien, bon, petit programme ce soir. Bah, on va commencer Fut Champion. Comme vous l'avez vu, on a packé quand même de sacrées cartes, vendables et invendables. Donc, ça fait surtout très très plaisir parce que forcément, j'en avais parlé hier. Et quand tu packs un joueur que tu kiffes IRL, c'est quand même pas trop mal. On va pas se mentir, le feeling, on va parler anglais, la sensation, même si la carte elle vaut pas 4 millions, je sais pas quoi, tu vois, c'est quand même très très cool de packer des cartes et du coup des joueurs que tu kiffes IRL. Du coup, aujourd'hui, programme, c'est qu'on va commencer Fut Champion, il y aura toujours des packs à ouvrir, des SBC à faire et tout ça. La coupe, je m'en occuperai, je pense, dans la semaine, parce qu'en vrai, c'est des matchs illimités, donc on est plutôt tranquille. Bien content d'avoir fait son SBC. Adi aussi. Ah oui, et Unai, la carte de Unai. 5 étoiles légères techniques, 4 étoiles au mauvais pied, 97 en passe courte, 92 en passant, 91 en vista, des bonnes stats en dribble, 99 d'endurance, plutôt complet, avec le rapide plus. Mais la plupart des prix, là, ils sont plutôt abordables, je suis un peu surpris. À part peut-être les grosses icônes et tout, tu vois. Il a vu sa berba. La carte est très très propre et j'aime bien que ce soit un DC de la Liga. Ok, je pense que je le ferai parce que j'ai pas beaucoup de mecs de Liga. En fait, déjà, on l'a fait justement à l'Overan en SBC ou pas du tout? T'as dit quoi les reviews? Colère! C'est pas le bon. Ah, c'est pas le bon, dommage, mais je prends fort. Colère, mec. A des héros, un petit Okocha. Icon aussi, j'ai pas packé d'icône. Je vois que tout le monde a packé Prince. Du coup, ça me surprendait pas qu'on pack Prince dans un des 83x10. Même si on préférait avoir Cruyff. Logique. C'est parti, le premier! Parfait! Un joueur que je voulais. Est-ce que ça cache. Non, ça cache rien. Parfait! Bah voilà, je voulais Dempsey, ils m'ont donné Dempsey. Eh, le prochain e-sport, ok, c'est JJ Okocha. Des 90 par-ci, des 90 par-là, des 90 en frappe, en passe, en dribble. Très bien, très bien. En 10, je pense qu'il doit être pas trop mal. Après, monsieur Clint Dempsey. Anglais, DD, bronze. Non, ça va être Trent. Double anime au moins. Trent avec Bernardo Silva. Ok, allez, Bobby, Cruyff, tout ça, là. Venez par ici. Okocha, Ginola. Ouh, Robin des Bois. Le retour. Bordel. Van Persie. Il est là. Let's go, messieurs. Let's go, let's go. Ma première icône, Golasso. Putain, vous l'avez tous packé, en plus, vous avez dit. Depuis tout à l'heure, ça me dit... Oh. Ça, mais j'ai pas qu'ils vendent Percy. Comment je fais mon équipe? Ah, mais les Pays-Bas, putain, je suis con, mais les Pays-Bas, je suis tranquille. Ok, vas-y, je vais le tester direct. Je vais le jouer direct. J'ai mis, non, j'ai mis tous les doublons, du moins j'espère. James qui rejoint le club. Rhys James, très bon latéral. Défensif comme offensif, mais je pense que je vais surtout l'utiliser en défensif. Avec deux bons playstyle plus. Ok, go. Bon, on a perdu le premier match. Terrible. Oh mon dieu. C'est la fin du monde. Non, en vrai, on a packé Van Persie. Donc, on a changé un petit peu l'équipe. On a gardé un petit peu la base. On a complété Rhys James. Il faut que je lui mette... j'ai plus de ombre, mais je vais le mettre pilier. Et du coup, on va jouer en 4-2-2-2. 65. Ah, vas-y, je mets 68. Juste pour 38, 48, 68. Ouais, voilà, c'est mon numéro de téléphone. Si vous voulez m'appeler, n'hésitez pas. Constructionnante, passe direct. 7 dans la surface. 2 corners et 2 coups francs. Avec Berbatov en position axiale et faux numéro 9. Van Persie, position axiale dans le dos et reste devant. Aminarit dans la surface et débordé. Hop, hop, hop. Unai juste en débordé, il n'a pas de tir. Bon passeur qui va être replacé en MDC, mais un MDC qui va monter avec couvrir centre. Je vais même mettre couvrir L, comme ça au moins on va pouvoir centrer sur Van Persie, second poteau ou Aminarit. Makelele, toujours pareil. Couper une de passe, rester en attaque, couvrir centre et puis c'est tout. Rhys James, débordement, rester derrière et Cuadrado rejoindre l'attaque avec débordement. Monsieur RVP, ça va envoyer des enroulés du futur. Oulahi! Ok, pas mal la fluidité de Van Persie. Aïe aïe aïe, Berbatov. Aïe aïe aïe.
pleine lucarne direct. Ah mais j'ai même pas le temps de dégager. Ah merde. Putain, fais chier. Donc juste à faire tourner un petit peu, esquiver son pressing et ensuite c'est fini quoi. Et malheureusement. Trop le GOAT. C'est trop le GOAT. C'est trop le GOAT. Bref, 13 de plaisanterie, il faut le gagner maintenant. On n'a pas fait ça pour aller perdre. Ah, mine, la mine. Merci monsieur Amin. Oh celui-là il est stylé, je crois que c'est le plus beau lob que j'ai mis de l'année. Oh là là. Bah non, RVP il était à côté du corner, je suis con. RVP bombarde. Ah, il savait. Oh là, le vent de Percy, comment il a résisté à la défoto. Il a vu Amine. Quelle passe de Babata, putain. Faut que je fasse gaffe, j'ai un carton du coup avec Van Dijk. Oh merde. Il a vu Amine. Il a fait un coup du foulard, Van Persie, il est fou. Alonaï. Il a vu. Il est droit. Pas mal, pas mal. Je dirais que ça a besoin d'un latéral offensif, Cuadrado, ou si t'as besoin de plus d'un latéral défensif. Je dirais James, enroulé. Il a vu. Il a vu Berba. On passe toi. La stagiaire, laisse-moi tranquille. Mon pasteur. Oh, je vais marquer avec elle. Il sait pas qu'elle est trop forte en... Ah ouais. Elle est trop forte en frappe. Après là, j'ai mis Time Hiver, elle a 99 de puissance de frappe. Bon. Ils ont tous fait leur taf en vrai de vrai. Hein. J'ai pas eu de soucis avec les joueurs que j'ai testé. Ping pong. Ah, oh, il a Berbatov aussi, il l'a acheté et il a fait Ribéry. Ou alors il l'a paqué. Bien joué, magnifique. Ouais, j'ai zéro chat. J'ai vu Berba. Heureusement qu'il y a Berbatov en tout cas pour marquer les buts. Le taux de Van Persie, il était quand même dégueulasse. Ok, il y a du pack, messieurs. Il y a du pack. Il y a 3,81 x 11. Eh, il y a un petit truc là-dedans, non? Dans le premier, il y aura monsieur Riyad Mahrez, qui est une animation, non? Lucas Wendy. Wendy Renard, 86 et 88, propre. Avec un petit inform, évidemment. Merci beaucoup. 83 x 2, il est là. Non, c'est un 84 x 2, ça, non? Je me suis peut-être trompé. Ah tiens, Odegaard.
Ok, au dégât, ça part dans le renfort échange. Oh, avec madame Irène Paredes. Pas mal. Avec 85 x 3. Allez, e-sport. Finissons avec un truc pas mauvais, s'il vous plaît. Robertson qui va nous cacher qui? Monsieur Bernardo Silva. Et derrière, tu nous caches Cruyff. Je sais pas si je la testerai, hein, je vais pas te mentir, elle coûte que dalle. En vrai, 94, 88 et 86, c'est propre de fou. Eh, bienvenue au club, peut-être que tu partis en SBC. On verra bien. 83 x 10. Lautaro Martinez. Le Neymar. Monsieur Neymar, tiens. Oh Neymar, je sens que tu vas nous cacher un mec grandiose. Tu caches rien, c'est pas grave Neymar. Tu vas quand même aller dans le renfort échange 89. On va dire c'est juste un 9, Van Persie. Tu vas arriver devant les cages et tu bombardes avec le pied gauche. T'allumes direct. Comme dirait Joe Space à l'ancienne. Allume direct. Très fort à Makelele. J'aime beaucoup Makelele. 90, 91. Manque un peu d'équilibre et d'agilité peut-être. Mais après, en passe, il a 90 partout. En frappe, il a 90 partout. En tout cas, aux alentours. Pareil en vitesse, endurance. J'aime bien. Dommage que tu perds le design de la carte. Parce que c'est bon. La carte évolution, elle est dégueulasse. Bonne chance pour Fut Champion et dans vos packs. À demain les mecs. Ciao.